Maintenant que le pignon est terminé, les maçons ont entrepris de couler les deux piliers qui bordent le porche d'entrée du monastère. Mais le béton, ils l'ont reçu de l'autre équipe qui terminait à ce moment-là de couler la dalle. Comme à l'habitude, les préparatifs ont été réalisés dans les règles de l'art. Entre-temps, nous a malheureusement empêché d'assister à l'arrivée des toupies et au déversage du béton. Mais nous pouvons admirer les travaux de finition. Frère Philippe est content, tout va bien.